President, please sit. Veuillez vous asseoir. The chamber is now back in session. For this afternoon session, since the video conferencing system for Longyearbyen has been set up, la connexion we will then continue to hear the testimony of the witness Longyearbyen de ce témoin through that video conferencing system. Before that, I'd like to inform the parties and the public that because Longyearbyen avant cela, is je précise in que his senior age and due to his chronical health issues, souffrant d'une maladie chronique, he needs his son Long Sotiret, who is a son medical Sotiret, doctor, qui est médecin, to sit next to him in order fils to sera assist assis à ses côtés de façon in his medical check-up and also an ECC médical officer, Nyam Samnang, who will be sitting Nyam next Sam to him. Nyam Samnang sera également assis aux côtés du témoin. And due to the health issue, the duration for hearing his testimony will not be that long. Témoin, he may take a break every 15 or 20 minutes. Interrompu toutes les 15 ou 20 minutes par une brève pause. Proceeding, we like to request all the concerned parties to prepare your questions in a precise and brief form, de sorte qu'elles soient précises so that et concises, his response can be exactly to the meaning in your questions, et que le témoin brief puisse and precise. Soyez donc bref et concis. Last time, before we adjourned the hearing of his testimony, avant la suspension de l'audition it was du témoin, the lead co-lawyers nous en étions autour des co-avocats principaux who spent 10 civils minutes to question, to ask questions to the witness. 10 minutes pour and I'd like to inquire témoin whether the lead co-lawyers who still wish to continue souhaitent toujours poser des questions au questioning témoin that Marine witness. Lead co-lawyer, Maitre Mr. Pick-Hang. President, we still wish to oui, continue questioning the witness and I'd like your permission for Ms. Sunati to use the remaining time. Et nous thank you, que says the President. Qui nous est encore imparti. Merci. Good afternoon, Mr. Longyearbyen. Merci, Monsieur Longyearbyen. Mr. Longyearbyen, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Yes, I do. The President. The chamber will now continue la chambre va to hear your testimony poursuivre votre audition via this video conferencing system. Par voie de vidéo before we continue, we like to inform you that if you avant wish to take a break or to use the bathroom, si please inform Mr. Samnang and he shall then notify us. Samnang qui nous en informera. Could you hear that? Yes. Est-ce que vous m'avez bien entendu? The chamber would like now oui. Question. La give the floor to the lead co-lawyers for the civil parties to continue with their questioning pour qu'ils le poursuivent leur interrogatoire for de témoin the remaining time. Pendant le temps qui aurait été encore parti. Thank you, Your Honor. May I remain seated during my questioning? Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je peux rester assise pendant cet interrogatoire? Le President, yes. You may. Le Président, oui, je vous en prie. Good afternoon, Mr. Longyearbyen. Before we finished last week, we were talking about the returnees who came to B1. Do you remember this? Personne rentrée de l'étranger qui arrivait à B1. Est-ce que vous en souvenez?
Well, I'd like to The interpreter cannot hear the voice of Mr. Long Noren. L'interprète n'entend pas Long Noren. Mr. Long Noren, can you repeat what you just said? Partie civile. Monsieur Long Noren, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? បាទខ្ញុំច្បាស់សំណួរតែមិញឆ្លើយម្ដងទៀតបានទេបាទតេតុងនឹងសំណួរដែលថាតើជនបរទេសដែលត្រឡប់មកពីបមួយនោះត្រឡប់ពីបទេសមកចូលនឹងបមួយតើយ៉ាងម៉េចណាអ៊ំ Okay, well, I'd like to continue questioning you about the returnees who came to B1. So, when we left off, I had asked you a question, but we broke up, so I'll repeat my question to you, okay? So, my question was, when the returnees were brought to Cambodia, did they have to write their biography when they returned? Response. I did not know whether they were asked to write their Je ne sais pas si on leur demandait d'écrire leur biographie. If there was an allegation that someone was a CIA or CIA S'il y avait agent, des accusations contre quelqu'un, comme quoi il était de la CIA, me to write the biography alors of Yassari that concerned me demandait individual. De faire écrire sa biographie par l'intéressé. Regarding that person that I mentioned last time that we studied J'ai together parlé de quelqu'un la semaine dernière avec qui j'avais étudié à l'Institut pédagogique. We studied in a few similar subjects. Nous avions étudié les mêmes matières, including playing soccer together. Et nous avions joué au football ensemble. So we were rather close. Donc nous étions assez proches. And maybe for that reason, that person was accused. This is just based on my presumption. C'est une supposition que je fais. And I was asked about the biography of that person here. On m'a demandé quelle était la biographie de cette personne, Chia. That he came to study in that pedagogical school together with me, and then we were in years 5 and 6 together. Et qu'il avait étudié à l'Institut de pédagogie en quelques mois, nous avions été en classe ensemble we en cinquième et sixième. Mais ensuite, quand nous sommes arrivés en quatrième, nous étions dans des classes différentes. And she left somewhere to go somewhere, maybe to become a teacher ailleurs, or a professor. Sans doute qu'il est devenu professeur ou enseignant ailleurs. Okay, thank you. Who else did Ing Suri have you write a biography for? À propos de qui d'autre Yang Sari vous a demandé de rédiger une biographie? I did not know, and I did not know whom that he would ask to write the biography. I only knew about the time that he asked me to do so regarding that person here. Je me souviens du cas de And Chia. Once I told him about the person, then he asked me to write the biography. Quand je lui ai dit ce que je savais de Chia, il m'a dit de l'écrire dans la biographie. Okay, thank you.
So you had mentioned last week that some of the returnees had disappeared. Did Insuri ever talk about those people that disappeared? Réponse non. Now you also mentioned last week that after people continued to disappear, staff at the ministry began to talk, and they talked about people going to study, and everyone became fearful about going to study. What were they fearful about? Réponse. The word study was rather difficult to comprehend. Est assez difficile à comprendre. To study could also mean to do étudier, labor, ça voulait aussi bien dire or to go to être assigné S21. À certains travaux ou être envoyé à S21. What kind of labor would people be sent to do? À quel genre de travaux étaient assignés ces gens? Réponse. I could not know that. Je ne pouvais pas le savoir. Because it was at the central and standing committee levels to decide. I was just a youth. Au niveau du comité central et au niveau du comité permanent. Why did you think the word study would refer to labor or going to S1? Did anyone tell you this? Vous dites que le mot étudier voulait aussi bien dire être assigné à certains travaux ou être à S21. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit? Réponse non. All right, last week you testified that both Bang Trabe and Cheng Chamre were a part of B1 during the DK period, and some of the returnees were placed there. What was the use of these two locations under B1? Could you please repeat your question? Réponse. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? You mentioned that Bang Trabe and Cheng Chamre were a part of B1 last week. What were these locations used for by the Ministry of Foreign Affairs? Réponse. Cheng Chamre or Bang Trabe. Cheng Chamre et Bang Trabe. In particular, Cheng Chamre was the place where people were sent to do engage in labor, to grow vegetables or to do the fishing. Ou pêcher. You mentioned that some of the returnees were placed in these locations. What kind of work did they do? Did they also have to grow vegetables there and do fishing there? People at B1 also grew vegetables. Les gens à B1 faisaient aussi pousser des légumes. So they looked after the vegetable for self-consumption. C'était pour la consommation du ministère. Based on the stance of independence and self-reliance. Et ça s'inscrivait dans la ligne de la position. Okay, who assigned the returnees to these locations? Who placed them in Cheng Chamre and Bang Trabe?
décidé d'envoyer ces gens à Bung Trabek et à Chan Samrei. Response: I did not know. Réponse: je ne savais pas. Because the decision was made parce at the higher level, that is at the central level. Au niveau, au niveau central. Or maybe the candidate member of the peut-être que les central committee would make that decision. I was at a lower level, so I could not know aussi, about moi, that decision. À un niveau inférieur, donc je n'étais pas au courant de ces décisions. Now, were the returnees referred to as intellectuals when they were brought back to Cambodia? C'était les intellectuels. Réponse. When they arrived in Peking, ils arrivaient à Pékin. Uncle Yang Sari. Et là, Yang Sari. Actually, they came to the country based on the request by Yang Sari. Ils sont rentrés au pays. Because he was a special rapporteur, a special delegate. Yang Sari, Yang Sari, qui était un délégué spécial, un envoyé spécial. For those who arrived, some of them entered B1, but I could not know about the rest. Certains sont allés à B1, mais je ne me souviens pas pour les autres. And for those that arrived, were they referred to as intellectuals amongst the members in B1? Est-ce que à B1 on les désignait sous l'étiquette intellectuelle? Response: when they arrived at B1, they were not referred to as revolutionaries. They were referred to as intellectuals. On parlait d'eux comme des intellectuels. They need to refashion themselves first. Ils devaient d'abord se remodeler. Before they were referred to as the revolutionary. Avant qu'on les considère comme des révolutionnaires. What do you mean by needing to re-question themselves? Qu'entendez-vous par se remodeler? Response: refashion oneself. Se remodeler means that person has to rebuild qu'il fallait or refashion himself or herself. Se transformer. That was it means somebody strives to work hard. Il fallait travailler dur. And that refers to both physical and mental work. Ceci valait pour le travail physique et le travail mental. Personally, I woke up at 4:30 a.m. Je me levais à 4h ou 4h30 du matin to water the vegetables pour arroser les légumes at B1. À B1. We have a vegetable garden there. Nous avions un jardin potager à B1. So we looked after et donc, that vegetable garden. Nous nous occupions and the cook de ce jardin potager would use the vegetable et les cuisiniers, for our consumption. La cuisine utilisait ces légumes pour préparer à manger. Oui, comment noter, mais oui. I think your time is almost running out. How many more questions do you have for the witness? D'autres questions à poser au témoin? Do you only have another question to ask? Vous n'avez plus le temps que pour une question. Thank you, Your Honor. I have two more questions, but I can ask one if you would prefer. J'ai encore deux questions à poser, mais je peux me contenter d'en poser une. Were there any training or education meetings held at Bung Trabek and Chan Samrei? Formation d'éducation qui se tenait à Bung Trabek et à Chan Samrei. Response:
Réponse. I did not know about that. Je n'étais pas au courant. Because I did not go to the two locations. À Chang Chamrae ou Bang Trabek. I only know about the place where I stayed. Je ne peux parler que de l'endroit où je me trouvais. Educational meetings, où il y avait work meetings, des sessions d'éducation, des réunions de travail. And the self-criticism meetings. Et des réunions d'autocritique. Okay, thank you very much, Mr. Longnorin. Question. Merci beaucoup, Monsieur Longnorin. The President, thank you. Before Merci. I hand the floor to the Defense Councils, I'd like to check with the bench if the judges have any questions for the witness. Judge Lavagne, you may proceed with your questions. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Longnorin. Thank you very much, Mr. President. Mr. Longnorin, good afternoon. J'ai quelques questions My name is à Judge vous poser. Jean-Marc Laverne, I have a few questions to ask Je you, souhaiterais sir. Tout d'abord savoir si First on vous foremost, a remis un document, were you given a document qui porte la référence IS-20.3 et qui s'intitule en français « Les vérités ES-23 sur le régime dictatorial de Pol Pot ». Alors, est-ce qu'il est possible de savoir si M. Longnorin a eu I just want to make sure that the witness, Mr. Longnorin, has received this particular document and if he has been made aware of it. Est-ce qu'il est possible de savoir si M. Longnorin a pu prendre connaissance du document, s'il lui a été remis? Would it be possible to know Ou whether or not Mr. Longnorin has received document E 20.3 and if he has been given the time to go over it? The President, Mr. Samnang, can if you had a document Monsieur in your hand, could you please show to the witness? Est-ce que vous pouvez le montrer au témoin, s'il vous plaît? Monsieur Longnorin, vous m'entendez? Mr. Longnorin, can you hear me? Monsieur Longnorin, est-ce que vous m'entendez? Mr. Longnorin, are you able to hear me? Voilà, donc... Le diagramme y est daté. Yes, I do. Oui, je vous entends. Voilà, donc est-ce que vous avez pu prendre connaissance de ce document? Est-ce Have que you been able to become familiar with this document? Do you recognize this document? Je ne sais pas si vous avez
Monsieur Longnorin, est-ce que ce document vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous avez déjà une connaissance de ce document ou est-ce qu'il est entièrement nouveau? Are you familiar with this document? Does this document remind you of anything? Or is this the first time that you've seen this document? Response. I am not familiar with this document. Non, je ne connais pas ce document. Alors, vous n'avez pas d'explication au fait que ce document, a priori, provienne du Centre de recherche et de documentation du mouvement démocratique national uni. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles étaient vos fonctions au sein du mouvement démocratique national uni? What your duties were within the Democratic National Union movement? Est-ce que vous avez entendu ma question? Quelles étaient vos fonctions au sein du mouvement démocratique national uni? The Democratic National Union Movement. Mr. Somnang, you are advised to write down the question and repeat it to the witness in case that he cannot hear it properly. Please repeat the question so that he understand the question and be able to respond. Otherwise, we do not have any other ability to hearing the testimony of this witness, Long Noren. Je demande à présent au juge de répéter la question. And I would like to remind the interpreter that when the translation is being done, it should be noted that once it is a question, it has to be asked in a question form. Monsieur Longnorin, pouvez-vous nous rappeler, nous dire quelles étaient, en quoi consistaient vos fonctions de secrétaire général du mouvement démocratique national uni? And what your duties were within the Democratic National Union Movement? Thank you.
That role was only on paper. C'était un rôle sur papier uniquement. Est-ce que dans le cadre de cette activité, vous avez été amené à avoir des contacts avec la presse? Did you have meetings with the media and the press? With media, of course, there was when we established the Democratic Union movement. Il y a eu des contacts avec les médias lorsque nous avons créé ce and mouvement. And it was a continuation of a task. Ça s'inscrivait and then, we established this dans movement. Le prolongement des tâches précédentes. And it has been known as National Democratic Union Movement. Il s'agit d'un mouvement connu sous le nom de MUND. Dans le cadre de ces contacts avec la presse, est-ce que des communiqués, des déclarations, des notes ont été transmises? Communiqués or declarations or notes transmitted to them? Sent to the Central Committee or to the Standing Committee, which I did not have the knowledge of. Because it was the upper level meeting. Parce que c'était des réunions qui relevaient du niveau plus élevé. Alors, est-ce vous, par exemple, qui avez déclaré devant la presse, c'est dans un document qui s'intitule D56, document 482, et le titre d'un article de presse qui est le suivant, la pression en faveur d'un procès des Khmers Rouges grandit. C'est un article USA Today, dans lequel il est dit, leur porte-parole Long Norin avait prévenu qu'un procès pourrait engendrer des émeutes. Il a également affirmé que les Khmers Rouges pourraient prétendre que les États-Unis maintiennent le mouvement en vie afin de s'opposer aux Vietnamiens. Êtes-vous l'auteur d'une telle déclaration? Does this statement emanate from you? Response. No, I am sorry, it was too long ago and non, I cannot désolé, remember. C'était il y a trop but longtemps, I je ne m'en think souviens pas. I have never made any statement, but I may have forgotten it. I n'avoir jamais fait de telle sure. déclaration, mais il se peut que j'ai oublié, je n'en suis pas certain. I am not sure. Je ne suis pas sûr. Alors, il y a une autre déclaration qui figure à la cote D366-7.1.584. Et il s'agit d'un article publié par la revue Indra TV à Phnom Penh le 6 septembre 2000. On vous a posé un certain nombre de questions et
On vous demande notamment ceci à propos des massacres commis sous le régime des Khmer Rouges. Pensez-vous que des Cambodgiens ont massacré leurs compatriotes ou y a-t-il eu une intervention extérieure? Point d'interrogation. Et vous auriez répondu, je ne sais pas, je ne sortais jamais. Est-ce que vous avez entendu ma question? Est-ce que vous êtes l'auteur de ces déclarations, M. Longmorin? Are you the author of that statement, Mr. Longmorin? Your Honor, could you please repeat your question? Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question? I understood the question, but when you refer to my statement, I do not, I cannot understand the statement that that you refer to. Comprendre de quoi il s'agissait exactement. La question qu'on vous posait était la suivante. The question you were asked, à propos des massacres commis sous le régime des Khmer Rouges, pensez-vous que des Cambodgiens ont massacré leurs compatriotes ou y a-t-il eu une intervention extérieure? Votre réponse serait, je ne sais pas, je ne sortais jamais. Response. Yes, of course, I did not know because I was a combatant, I was not a cadre. Je ne savais pas parce que j'étais combattant et non pas cadre. Response. I honestly, I do not know. Honnêtement, je n'en sais rien. Alors, Monsieur Longnori, nous allons revenir à ce document qui s'intitule Les vérités sur le régime dictatorial de Pol Pot. Il y fait référence à un certain nombre d'événements importants, notamment à la page 6, il est dit ceci. Le massacre des Khmer Hanoï, entre parenthèses, à savoir les Khmer regroupés dans le Nord Vietnam après la conférence de Genève de 1954. Après la conférence de Genève de 1954, 2000 résistants cambodgiens ont été transportés vers le Nord Vietnam sur un bateau polonais. En mars, Nol a renversé le prince Sihanouk, alors chef d'État du Cambodge. La guerre a éclaté au Cambodge après avoir fait rage au Vietnam et au Laos. Compte tenu de cette nouvelle situation, tous les réfugiés Khmer du Nord-Vietnam, entre parenthèses les Khmer Hanoï, sont revenus volontairement au Cambodge.
voluntarily returned to Cambodia. Parmi eux, il y avait un certain nombre de techniciens, plus particulièrement spécialisés dans le domaine militaire. Par crainte qu'il ne soit un obstacle à son pouvoir dictatorial, Pol Pot a décidé d'éliminer nos compatriotes un par un, groupe après groupe, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Seules deux ou trois veuves ont survécu à ce jour. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que je viens de lire ? Respond. I do not know. I do not know who were dead and who survived. Je ne sais pas de qui il s'agissait et je ne sais pas qui a survécu. Alors je vais donner lecture d'un autre passage. Peut-être que cela réveillera quelque chose chez vous. Le passage suivant s'intitule l'évacuation des citadins après le 17 avril 1975. À son retour de Pékin le 23 mars 1975, je cite, sans doute une erreur, Son Excellence Yeng Sari a constaté que Phnom Penh était une ville fantôme déjà vidée de sa population. Cette décision avait été prise par Pol Pot sans que Son Excellence Yeng Sari en soit informé. Pol Pot a ordonné de diviser l'ensemble de la population khmère en deux groupes. D'un côté, le peuple ancien, qui avaient participé à la résistance et vivaient déjà dans les coopératives, et de l'autre, le peuple nouveau, ou le peuple du 17 avril, à savoir les personnes évacuées de Phnom Penh et des autres villes. Le peuple nouveau a été envoyé dans la campagne, sur des chantiers, rizières, construction de barrages et construction de voies de chemin de fer, où il a enduré des souffrances à la fois physiques et morales. Les familles ont été déchirées, leurs membres étant séparés en différents groupes de travail en fonction de leur âge et de leur force. C'était vraiment déchirant. Ceux qui osaient témoigner un peu d'affection familiale étaient accusés d'être des renégats. En outre, en raison du manque de logements adéquats, de nourriture et compte tenu de la lourdeur des travaux, un grand nombre d'anciens citadins, surtout des enfants et des personnes âgées, sont morts. Alors, est-ce que ce que je viens de lire suscite de votre part des commentaires ? Do you have any comments on what I have just read? Response. As a matter of fact, at that time I learned the news from the radio broadcast by the Democratic Cambodia, and I learned information from that radio broadcast. There was no any other source of information. For example,
they broadcast that people had enough food to eat. They had food three times a day or so. So I learned from that broadcast. But once I went down to Siem Reap province and I witnessed people were living in misery, then I thought to myself that, well, the information that I have learned might not be true, things might have gone wrong. Et que les choses avaient mal tourné. Alors, je vais donner lecture d'un autre paragraphe. All right, let's move on to qui s'appelle « Le massacre des intellectuels, des hautes personnalités et des diplomates revenus au Cambodge. » La libération de Phnom Penh le 17 avril 1975 a été saluée par la majorité des intellectuels résidant à l'étranger. Ils sont volontairement rentrés dans leur patrie afin de pouvoir mettre leurs connaissances au service du pays. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps d'atterrir à Pochentong, qu'ils ont été encerclés et envoyés dans différents camps où des souffrances physiques et morales leur ont été infligées comme au peuple du 17 avril. La bande des quatre, entre guillemets, Pol Pot, Nguyen Chea, Son Sen et Yun Yat ne s'est jamais soucié d'informer Son Excellence Yang Sari de leur arrivée en raison du dur labeur, des maladies et du manque de nourriture. La plupart de ces personnes sont mortes, plusieurs d'entre elles ayant été accusées d'être des renégats, des agents de la CIA ou du KGB en fonction de leur pays d'origine. Même le retour de la belle-mère et de la belle-sœur de Son Excellence Yang Sari n'a pas été signalé à ce dernier. L'une de ses belles-sœurs, Mademoiselle Kyo Tirat, a été étranglée par ses gardes dans un camp à Takmao, près de Phnom Penh. Alors, même question, est-ce que ceci suscite quelques commentaires de votre part? Response. Frankly, I do not know anything. I did not know the execution of the relatives je n'ai pas eu connaissance him. De l'exécution de membres de sa famille. And as I mentioned earlier, I receive information from only one source, that is the radio of the Democratic Kampuchea. And what was announced in that radio, I understood and learned the information from this source. And I did not have any other sources to appropriately analyze the news. Alors, ce document énonce un certain nombre d'autres faits, notamment des faits concernant les purges dans le parti entre 75 et 78. Et ce document se termine ainsi. Pour toutes ces raisons, l'assassin du peuple cambodgien n'est autre que Pol Pot. Le criminel de guerre, c'est Pol Pot et personne d'autre. C'est Pol Pot ainsi qu'un petit groupe de complices nommés Nguyen Chea, Tamok, Son Sen, surnommé Kyu, Yun Yat, surnommé At, qui sont les bourreaux du peuple cambodgien et ont commis à ce jour des crimes horribles contre l'humanité. Ils doivent à ce titre être jugés et condamnés à mort. Avez-vous des observations, des commentaires? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Est-ce que vous êtes totalement surpris par tout ce que je viens de lire? Or is what I have just read a surprise to you? Response. I have never heard that.
Je n'ai jamais entendu cela. Bien. Monsieur Long Norin, vous avez indiqué également qu'il vous arrivait, je vais essayer de vous citer, d'assurer la protection du roi père, Sa Majesté Norodom Sihanouk. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consistaient vos fonctions au palais royal? What exactly were your duties in the royal palace, please? Response. When I was working in the royal palace, lorsque je travaillais, there were two persons, Chuan Hai, il y avait deux personnes, Chuan Mr. Hai, Chuan Hai and myself. Et moi-même. Mr. Chuan Hai was a person Monsieur who Chuan liaised Hai from one office to another. De la liaison entre and différents bureaux. I was responsible for quant à moi, protecting the, His Majesty, the King. I Majesté, le roi. Did not know the reason why I was designated to provide protection for the, His Majesté, the King. So Majesté, le roi. At that time, we had to guard the royal palace nous devions day and night. Garder le palais royal de jour et de nuit. Est-ce que lorsque vous assuriez la protection when du roi, celui-ci était libre de se déplacer comme il voulait? Est-ce qu'il king, pouvait aller là où il souhaitait? Travel around where he wanted? Response. Actually, wherever the His Majesty the King wanted en fait, to go, he would instruct Mr. Chuan Hai to organize his itinerary. And for Chuan myself, Hai I simply went along to provide quant protection à moi, for him. Je me contentais d'accompagner pour assurer la protection. Monsieur Long Norin, vous avez été entendu par les enquêteurs. Et votre audition figure à la cote D91/3. Dans cette audition, à la page 9 en version française, on vous a posé la question suivante. Pourquoi le roi a-t-il démissionné? Était-il mécontent de quelque chose? Vous avez répondu ceci. Il a démissionné car il n'avait pas la liberté pour se déplacer à son gré. S'il voulait le faire, il devait faire une proposition jusqu'au comité central en passant par Chuan Hai. Quant à ses inférieurs, ils ne pouvaient partir nulle part et ils n'ont jamais demandé de sortir. Est-ce que vous confirmez ce que je viens de lire? Could you confirm what I have read? Response. Back then, on that particular issue, Chuan Hai was a spokesperson for His Majesty to make a request to the Central Committee. Once His Majesty went out of the Royal Palace, and I went along with him to provide him protection. Du palais, moi, je l'accompagnais pour assurer la protection. Sun Sen was driving on a jeep, and I, at that time, trying to stop him because I was afraid that he might do something to harm His Majesty. Then I asked him to stop, but he did not stop. He went forward.
qu'il ne porte atteinte à Sa Majesté, mais il ne s'est pas arrêté, il a continué de rouler. Est-ce que selon vous, votre travail consistait plus à un travail, consistait plus en un travail de gardien qu'en un travail de garde du corps chargé de la protection? Est-ce que vous aviez des consignes pour surveiller le roi Sihanouk? Did you have instructions to look after the safety of King Sihanouk? Well, I was working in the royal palace, and I had to protect au palais royal, the security of His Majesty. We had to guard to ensure his safety day and night. We had to ensure that nobody could pour assurer la sécurité de Sa Majesté jour et nuit. Personne ne pouvait aller et venir sans autorisation. Est-ce que vous pouvez également confirmer ce que vous avez dit dans ce même interrogatoire à la question suivante? Avez-vous jamais vu Yang Sari se rendre au lieu relevant du ministère B1, tel que celui situé à Chang Chamré ou d'autres endroits? Et vous avez répondu, il allait s'occuper de l'éducation à Bung Trabek. Going to deal with education matters in Bung Trabek. Avant de travailler à B1, il s'était chargé de l'éducation politique des intellectuels ou des membres appartenant à d'autres ministères. Est-ce que vous confirmez cela? Is that the case? Your Honor, could you please repeat Monsieur your question? Le juge, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter votre question? Au cours de l'interrogatoire, on vous a posé la question suivante. You were asked the following question. Avez-vous jamais vu Yang Sari se rendre au lieu relevant du ministère B1 site, tel que celui situé à Cheng Chamré ou dans d'autres endroits? Et vous avez répondu, il allait s'occuper de l'éducation à Bung Trabek avant de travailler à B1. Il, étant entendu que « il », c'est Yang Sari, s'était chargé de l'éducation politique des intellectuels ou des membres appartenant à d'autres ministères. Réponse. I did not know whether he provided training through whom. Je ne sais pas à qui il donnait sur l'éducation. Moi, je ne sais que ce qui s'est passé à B1. Came through, opened the training sessions. Everyone would attend quand il that session. Menait une session d'éducation politique, tout le monde y assistait. Quand il y a une session d'éducation politique, tout le monde y assistait.
Response: did you mean that I answered that he went to training at Bang Trabaek? Votre question de portait sur les sessions d'éducation à Bang Trabaek. Those at Bang Trabaek. Alors à Bang Trabaek. Yes, indeed, Mr. Long. Bang Trabaek. However, those people at that location also went for labor in order to refashion themselves. Des gens qui étaient là aussi pour à qui on a signé des travaux pour qu'ils se rééduquent, pour qu'ils se remodèlent. Est-ce que Monsieur Yang Sari est allé donner des sessions de formation à Bang Trabaek? Did Mr. Yang Sari lead any educational sessions at Bang Trabaek? Response: I cannot recall. It's been so many years already. Alors, toujours dans cet interrogatoire, on vous a posé des questions concernant les arrestations au ministère des Affaires étrangères, à B1. On vous a demandé qui donnait l'ordre et à qui cet ordre était transmis. Vous avez répondu ceci. L'ordre émanait du comité central de Pol Pot. The Central Committee, et il était donné à S21. The order was given to puis, S21. Les miliciens de S21 venaient chercher des gens directement à B1 en interrogeant sur le local où ils se sur le lieu où ils se trouvaient. Puis, ils y allaient les voir en leur disant que l'Ankar leur a ordonné d'aller à la rééducation. Ankar à partir de ce moment-là, on ne les a jamais vus rentrer. Classes, and from that point on, il s'agit par exemple d'une personne à B1 qui était en relation avec Khoi Thun those et d'une autre nommée Um Chun. Thun, as well as another person named Khoi Thun, quant au sein de B1, d'après ce que j'ai entendu, l'auteur d'une infraction faisait son autocritique dans son groupe et l'affaire s'arrêtait là. Si son chef ne where le rapportait pas à l'échelon supérieur. Alors, est-ce que and vous vous souvenez de ces déclarations? Est-ce que vous les confirmez? Can you please confirm this statement? Response: I do not really understand your question. Je n'ai pas vraiment compris la question. Response: I cannot recall that question and answer session. De ces questions-réponses. Mr. President, the witness would seek your permission to have a short break. The President, thank you, Mr. Longnaren. Le président, merci, Monsieur Longnaren. Since it's time appropriate for a short break, we will have a 20-minute break, and we shall resume after that. Après cela. Somrajo.